Allez, salut à tous et à toutes, c'est Mister790. On se retrouve pour une nouvelle aventure sur Minecraft, plus précisément sur Feed the Beast et sur le serveur Feed the Troll, la deuxième saison. En quelque sorte, la première était plus ou moins arrêtée à cause d'une panne de serveur. Mais là, on est à payer pour un an, donc ça devrait jouer. En espérant en tout cas que le trailer que vous avez vu avant ou dans la vidéo précédente vous a plu. Et en tout cas, on est parti pour une belle aventure. Donc, comme on voit dans le trailer, plus ou moins, je pense, on a reçu déjà ses bottes de base, des Longfall Boots, et on a reçu aussi quelques trucs. Mais aujourd'hui, je veux juste vous présenter ça comme ça. Je pense que vous entendez un sale bruit derrière moi, c'est mon ordi. J'ai pas pu faire comme d'habitude parce que j'ai changé de micro, bien sûr. Et enfin, bien sûr, c'est pas logique, mais voilà, ça faisait un moment que j'ai pas tourné, donc je vous informe, j'ai changé de micro, mais mon ordi toujours pas, donc il fait toujours autant de bruit. C'est pour ça que Dave est très gentil, va essayer de m'en chercher en France, parce que c'est un peu moins cher, je pense, qu'en Suisse. Donc je le remercie déjà pour ça s'il est derrière, ça serait vraiment cool, surtout que ça serait une tour, alors que moi j'ai un portable, donc ça serait vraiment cool. Donc pour les informations de cette série, on est sur le pack Unleashed, mais c'est un mode pack créé essentiellement par, seulement par D, donc c'est un mode pack spécial, unique, impossible à télécharger. Pour pouvoir venir nous rejoindre, il faut être youtubeur, faire des vidéos sur Feed the Beast, et ensuite vous avez toutes les chances de pouvoir nous rejoindre, et c'est tout ce qu'il faut pour pouvoir nous rejoindre. On attend que ça, de pouvoir agrandir notre communauté, tout simplement. Donc j'ai commencé un peu mon aventure dans un monde parallèle, enfin on a tous chacun son monde. J'ai déjà pas mal de ressources, si on regarde par là, donc j'ai quand même déjà pas mal de diamants et tout. Mais aujourd'hui je voudrais vous présenter le premier mode qu'on peut avoir facilement. Donc en tout cas moi c'est V de base, donc appuyant sur V on arrive sur ce que vous avez vu sur ma tête, donc c'est-à-dire un chapeau. Donc vous avez plein de chapeaux disponibles. Celui-là on va le mettre en favori, comment on le met. Bon, il y a plein de chapeaux disponibles. Je peux vous montrer, hein, il y en a plein. Bon voilà. C'est pas mal ça. Encouragement. Ah ça aussi. Donc après voilà, donc si par exemple voilà, ça c'est pas mal. On peut changer la couleur si vous voulez, hop, hop, voilà, comme vous voulez, hop, tout noir ou tout en vert, hein, voilà. Vous gérez votre couleur comme vous voulez. Alors, random couleur si vous voulez également. En favori si vous voulez. Non, par contre en favori, je vais tout. Comment on met, mais c'est... les catégories, bon ben voilà, hein, ben, y a tous les chapeaux, les contributeurs et les... pour créer des nouveaux je crois, ben, voilà. Bon, non, voilà, donc si vous voulez changer votre touche c'est ici, donc sur personnaliser, first person, yes, comme vous voulez, enfin, je change rien, c'est pour voir la première personne où je mets nous. Show at, si par exemple vous voulez pas voir les chapeaux des autres ni le vôtre, enfin faut vous mettez là. Ensuite c'est random mobs, c'est un pourcentage de chapeaux qu'on prend les mobs que sortent là, donc c'est à dire que un zombie ou un cochon sur 10 aura un chapeau sur la tête, donc c'est assez drôle à voir. Excusez-moi pour cette petite interruption. Donc on peut l'augmenter et avoir tous les mobs qui en ont. Moi je laisse à 10%, c'est pas mal, c'est le truc de base. Et sinon vous pouvez tout reset. Et done. Vite. Voilà. Ok, donc c'est un mode bien sympa quand même, c'est bien drôle à voir ce nouveau mode. Donc c'est des modes, il y a certains modes qui ont jamais été dans des, enfin oui je pense qu'ils ont tous été dans des packs de Feed the Beast, mais je suis pas sûr. Donc on a une
105 je crois mode ou 110 entre les deux, je sais pas exactement. Donc également je peux vous montrer vite fait un petit truc. Donc il y a des nouveaux mineurs en tout cas chez nous. C'est pas ça, faut que j'en trouve un. Ça ressemble à des petites. Enfin des. C'est un minerai avec plein de petites boules jaunes dessus. Et ça va vous servir à. C'est pas ça, hein, ça c'est l'ombre, si je dis pas de bêtises. Ouais, c'est pas juste. Ça va vous servir à faire des electronic circuits. Plus ça a changé, c'est plus avec. Voilà, c'est ça. C'est plus avec. C'est plus avec du fer raffiné, mais. Mais c'est avec du. Un petit mélange que je vais vous montrer comment on fait. Tout de suite. Donc c'est pas bien dur. Donc également, j'ai commencé. Les machines, donc je suis à mon générateur et mon macérateur, mais je vais essayer de faire des nouvelles machines, des nouvelles sources d'énergie, tout ça pour vous montrer. Donc je pense faire plutôt un let's play cette fois-ci, enfin let's play tuto donc vous expliquer un peu la base des machines. Je préfère quand même les tutoriels parce que pour commencer je pense que c'est ce qui marche le mieux. Si je veux pouvoir développer un peu mon audience, c'est comme ça que je pense que ça peut marcher. Donc voilà, je pense plutôt vous expliquer quelques trucs, mais en même temps un peu let's play, avec peut-être des pranks si j'en suis capable, je sais pas encore, faut que je découvre un peu les choses. Donc, non c'est pas là, donc si j'ai dû faire, ce qui n'est pas le cas, on va vite faire en faire chauffer deux, ils en font deux pour faire faut deux fers pour pouvoir en créer un. Comment ça s'appelle pour faire un électronique circuit. Enfin, ça vous fait deux lingots que je vous montre après, j'ai oublié le nom. Et ça vous crée donc après deux électroniques circuits si vous voulez. Donc on va juste prendre ça. Donc ça lag un peu, ça mon ordi aussi. Pour l'instant, il lag pas mal. C'est pour ça que j'ai besoin d'un nouvel ordi. En tout cas, je m'excuse vraiment pour le bruit derrière, c'est un peu désagréable, je pense, à l'écoute. Et je pense même que j'ai du crash là. Bon, je sais pas. Je suis à 0 FPS. C'est un peu bizarre. Bon, je reviens dessus. Voilà. Excusez-moi, donc mon ordi crash beaucoup. Donc j'essaie quand même de faire cette vidéo assez en avance. Je sais pas ce que ça va donner par la suite. Ce que je vais mettre en plus, je sais pas combien de temps j'ai de vidéos là pour l'instant, mais c'est juste pour pouvoir avoir un peu de vidéo et pouvoir le proposer pas trop tard quoi. C'est vraiment ça le truc, j'ai pas envie de prendre trop de retard et surtout être trop en avance par rapport aux vidéos que je fais. Donc pour ça, il faudra bien que j'ai mon nouvel ordi assez tôt, donc il faudra peut-être être patient un peu. Donc il me parle, c'est pas possible. Donc c'est des forcing dots, voilà, je me suis rappelé du nom. Et ensuite, si je clique là-dessus, là-dessus, voilà, donc c'est pareil qu'avant, ça fait avec deux force ingot et une redstone, ça vous donne, un force ingot, ça vous donne un seul, avec deux force ingot, ça vous donne deux electronic circuits. On va vraiment le tenir, c'est assez fou. Donc en tout cas, pour l'instant, j'ai resté là, je vais un peu avancer dans les machines, donc je vais juste vous montrer ça de base. On va leur dire moi aussi. Donc je vais essayer d'avancer un maximum, d'améliorer mon ordi, tout ça et tout, et d'avoir peut-être une belle maison. Je vais peut-être vous filmer la construction de ma maison, j'espère, enfin je sais pas. J'ai pas mal de projets en tête, je sais pas, je verrai. En tout cas, je pars pour un let's play, tutoriel assez long, je pense, sur notre nouveau serveur, Feed the Troll. Donc, on se retrouve sûrement après. Et, en tout cas, appréciez la vidéo. Allez, plus.